Bonjour, je m'appelle Martin Séguin. Je fais souvent de la teinture vernis au HVLP. Et lorsqu'on sort un galon, bon, quand il est neuf, c'est moins pire, mais quand il y a un petit peu d'âge, souvent il y a quelque chose au fond, donc on est obligé de le brasser. Et malgré le fait qu'on le brasse quand même beaucoup, il reste des petits grumeaux. Ce qui fait que quand on transvide notre produit à l'intérieur de notre pot à peinture, on est toujours mieux de le filtrer avec des petits filtres. Bon, moi j'utilise les 190 microns. C'est ce que mon fournisseur avait. C'est amplement. C'est un bon filtre et on met ça là-dessus et on transvide. J'ai acheté ce filtre-là en paquet de 10, ça revient moins cher. C'est quelques sous chacun. Ça se jette dans des magasins de peinture, tout simplement. Et c'est très pratique pour filtrer. Ça peut être bon pour le vernis, de la peinture, en fait, tout produit que vous allez verser dans votre canne de peinture. Bon, ça se tient mal. Un petit bout de temps que je voulais me faire ça, fait que je me suis bâti ce petit bidule, petit cabaret, qu'on met simplement par-dessus le pot, ça ici, et en versant mon vernis dedans, il va tomber directement dans le pot. Je peux le laisser égoutter, et tout se tient très bien. J'ai tout simplement fait un trou dans une planche, de la grandeur nécessaire pour que mon filtre passe tout au travers, et qu'il y ait que le jaune en dessous, là, OK? Plus haut que ça, ben, ça aura plus petit. Je veux dire, le trou plus petit, le filtre aurait été trop haut, puis ça n'aurait pas été bon. Et la hauteur, j'étais à peu près un quart de pouce, 4-5 mm plus haut que mon pot, dans le but de m'assurer qu'il soit bien dedans. Et voilà, un petit truc bien simple pour tenir le filtre par-dessus le pot. J'espère que vous avez apprécié. Merci!